Bonsoir, bonsoir les petits enfants. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps. On se déguise, on est content. Que des friandises pour les dents. Rouge a montré leur la cuisine. Bien monsieur. Et quelle odeur divine. À quelle heure monsieur souhaite-t-il qu'on dîne? Dois-je attendre avec quelques comptines? Quelle fabuleuse moisson d'Halloween. Nul ne fait attention quand un marmot queen. Quand il n'y avait que la Toussaint, c'était la ruine. Rougin, vous souvenez-vous à quel point c'était l'abîme? Oui, monsieur était irascible. Plus rien ne le calmait, ni les gousses d'ail, ni la Bible. Allons, allons. Si bien qu'il devint la cible de mortels bien plus terribles, et vivre en ville devint pénible. Il suffit, Rougin. Vous me gâchez la fête. L'apéritif est-il servi? La pitance est-elle prête? Peut-être attendez-vous en secret que je m'y mette. Je veux des gorges bien dégagées et des nuques bien nettes. Bien, monsieur. Puis-je attirer votre attention sur le poids de certains bambins que nous avons en pension? Quoi encore? Certains semblent avoir une passion pour le sucre notamment, maintenant que nous savons passer. Mon cher Rougin, vous en dites trop ou pas assez? Pas d'allusion à mon malaise, ceci est une affaire classée. Comprenez, monsieur, que tout immortel que vous êtes, vous n'êtes que bien peu de choses face au diabète.